الزول ذا مقران ذا حمايان في اللون خون وين خون مثال دي سمح سيسن لي سوبورتور جي اس كا سو مثا الزول في اللون الساقين بغاد غالغ افرفح ام قران يعني دبي لا جي اس كا سي صورة بغيت ندخل على فيديو يعني كان ابري الماتش مي جي با يو لوكازيون بو ا كوز دو دي زامبيشمون بيرسونيل استخدم غير الميد الساقي دونك بغيت كان الدنيا بلي الماتش ني يوعر توغال دو مالغري سا لا جي اس كا افيك اون فيكتوار ce qui prouve que on a un jeune effectif mais capable de relever les défis خدمنا ماتش دوم نسيتو يا رب لي صورة دروس دروس ماضي لي زيكيبي ديال بحالي صورة مي اسيني ثاني ميرثي لي جوار ثاني ميرثي الستاف ثاني ميرثي وسي اي لي سوبورتور كي ديبلاسينا المدى بالشهر ايزون في بلوس دو 1000 كيلومتر بوغ سوتني ليكيب اسيني اوك ثاني ميرثي وعطيكم الصحة في الماتش هاكي تصفرح ما غطاس بوغ مالغري Malgré un arbitrage yani, qui était vicieux, je parle de l'arbitrage de touche, mais c'est l'arbitrage central qui était correct, d'après ce que je suis là. Mais l'arbitrage de touche qui a enlevé pas moins de 3 buts valables à la JSK. En première mi-temps, but en Hamron. Deuxième mi-temps, but en Belgarbi. Il a sifflé à chaque fois hors jeu alors qu'il n'y avait pas de position d'hors jeu. Les caméras, ils ont démontré ça malgré que les caméras Ferun yani, ils n'ont pas montré toutes les actions. Ferun yani, Flen a les actionnés à Denmiskin d'une action Tinan Belgarbi où il n'y avait pas du tout de position d'hors jeu. Donc c'est une victoire très très importante pour la suite du parcours qui relance le championnat, qui relance la course vers le titre. بغيت ديني بلي ذي الحق لنا غنامن يعني سي التيتر مالغري كو الفو با سونفلامي il reste 14 journées on est qu'au début de la phase retour مازال لي ماتش مازال mais au vu du calendrier qui nous attend toutes les grandes cylindrées sont de la Wartizi Ouzo que ce soit l'USMA, MCA, STIF, MCO voilà donc pas mal de grandes équipes sont de la Wartizi Ouzo donc ça c'est un avantage les 4 prochains matchs ils seront assez décisifs à commencer par celui du MOB عندنا دناوي الموب ابري نفغر بلعباس ابري نوعين مليلة ابري لو كاتخيام ماتش جي اوبلي لادفيرسير مي ان توكا نسعى نحسب نسعى لاقيين لوكازيون دو سراترابي شوف ديفاسي لي 4 بوان دي قيم لكن افيك لو اسما pour il y a un nouveau joueur aussi d'Ivan Mliah yani speaking Dimanis la rencontre à la guerre même si il est l'effectif exig mais enfin depuis l'été dernier mais le match à guerre speaking Dimanis il a prouvé comme quoi on pouvait compter sur lui Wagid Souyed signer Kim Lekegi t'es sur la bonne route yani franchement il a fait un très très bon match d'après ceux qui ont suivi la rencontre et les journalistes sur place etc ou les consultants il a fait un très bon match c'est une très très bonne chose pour l'équipe vu que c'est un jeune joueur qui n'a pas encore progressé et il y a dans l'axe des bons joueurs malgré la présence yani, de Saadou et Tizi Bouali qui ont fait une phase aller remarquable mais حوالي دو رونفور وانا يستعفى ايو دونك يخص الجوار ناشو سويد اللي اون تران تسامبوزي طون ميو بور لا جي اس كا انا لوحد انكور ان جوار اون بو دير كو سي لا كاتريام ركرو ميم سي سي با اون ركرو نشتوايا كي مي سي اون ديكوفيرت ام انت ام ايراتني اوسي qui prouve de match en match qu'on peut que c'est des joueurs confirmés et de formation on peut compter année sur leur rendement et sur leur capacité etc
Et on a une marge de progression énorme qu'il faudra exploiter. Mais les recrues, un bel garbi ou Ben Chaira, il a fait un match, un bon match en milieu de terrain avec Ben Youssef ou Ben Khalifa. Ils ont formé un trio exemplaire sur le terrain, un milieu royal. Tant mieux que les trois aiguilles et que cette nouvelle formation, que cette nouvelle recrue s'adapte aussi vite. Yani, c'est une bonne chose pour le milieu de terrain de la GSK pour les matchs de Sidoun. Il a joué à l'aise, il n'a pas montré comme quoi c'était un nouveau joueur. Et ben c'est de bonne augure pour la suite. Pour la suite du parcours. Mais il est Belgarbi, dans les dernières minutes, les 15 dernières minutes du match, il a failli marquer un but, si ce n'est l'arbitrage vicieux, il marquait un but, ce XS, mais sinon il marquait un but pour sa première apparition. C'est une bonne chose aussi, c'est prometteur pour la suite. C'est d'énerver pour le moment les nouvelles recrues. Ils ont démontré comme quoi et la JSK, la direction ne s'est pas trompée de les avoir recrutés. Et année c'est le Hadj El Ali pour la suite du parcours. Donc le match le derby kabyle, c'est une fête entre deux clubs frères. De la région, c'est l'occasion de que ce soit une fête entre Kouveïla, Khimara, Ndamelan, et que le meilleur gagne. J'espère, Inch'Allah, bien sûr, en tant que supporter de la JSK, c'est la JSK. D'ailleurs, je vois que c'est la JSK, mais ça reste une fête entre le Khawin et le Machid Al-Dawin, mais c'est pas le football qui va nous séparer. Adiner Foudi Garzen pour les deux équipes et que le meilleur gagne. Inch'Allah, Hatskim la JSK et la lancée à Guinness. On a rattrapé le petit retard à Guiglen. L'USMA, on a dawi Warnes les matchs, dawi Net USND. Donc c'est pas du tout facile pour elle qui en perte de vitesse. Il faudra en profiter pour creuser l'écart, pour réduire au moins l'écart à Guy qui s'est créé à la fin de la phase retour. Pour les supporters qui... pour les chaînes TV directement sturant avec le championnat va dinakan, il faut pas s'enflammer. Mais il faut gérer match par match les joueurs. Il faut pas oublier, c'est une jeune équipe, il manque d'expérience, donc il faut pas leur parler directement du championnat. Elle avait un match par match. Tout le championnat est qui on venait que demain il le championnat à la fin. Pourquoi pas, il faut être optimiste. On s'appelle la JSK Billy. C'est pas n'importe quelle équipe, mais c'est la JSK Billy. On a des joueurs avec les nouvelles recrues qui vont faire former une équipe solide. Il y a une complémentaire, un groupe soudé. Inch'Allah, à la fin, ça fait longtemps que nous sommes le championnat. شغل بكشيش ني نشوق هذاك اللي تسعنا عليه وذاك اللي يسعون فيه حذاين نا على الكونترير نا الرش مع لا فان دي يسعوا تاع قشيش ناضي مع لا فان دي يسعوا قشيش الشامبيون يجي يوغا لا كيجي يوغا لا نصرا جو كان من المثنوي يوغا لا الشامبيون نشوق ان شاء الله ديسي لا فان دو لا سيزون نفرح و ميم سي كلاسين دوزيام تروزيام جيسبر او موان دوزيام. C'est une bonne chose au vu des résultats des saisons passées. Ça serait une bonne chose de jouer la Ligue des Champions, à la Coupe de la CAF. Ça, pour un jeune effectif comme ça, c'est l'idéal. En expérience, en Afrique, etc. C'est une équipe qui joue sur plusieurs... C'est une équipe qui joue sur plusieurs flancs, que ce soit le championnat, Coupe d'Afrique. Ça serait formidable. Donc, il y a une dernière, la vidéo.
J'espère Tadjvikoun, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Une vidéo, autre une vidéo. Aussi, merci pour votre soutien, vos commentaires. À tous les supporters, à tous les Kabyles, à tous les Algériens, on ira sur Gossam Gaz. Ou là, qui aime le JSK, on ira à Foud Gerzen, Inch'Allah, sur Gossam Gida, sur Gossena. Quoi, Doral JSK, je te laisse dire, n'a pas rien. J'espère que Doral JSK, soutenez-vous sur le plan national et international. تنمرت نون وامنعش صحيتو.